pour l'énergie. On a bloqué, et on l'a voté la semaine dernière, le bouclier tarifaire pour éviter qu'il y ait une hausse trop importante au niveau du gaz. Et pareil, en ce qui concerne l'électricité, à partir de 2022. Là, la hausse du carburant, on voit bien que ça ne va pas s'arrêter, que ça va continuer et pendant une durée assez longue. Du coup, ben oui, on réfléchit. Et c'est pas que ce soit des mauvaises solutions, mais il faut que ça profite à ceux qui en ont besoin. Le chèque énergie, finalement, c'est facile. C'est le revenu fiscal. On a ciblé des personnes, des foyers modestes qui en ont besoin. C'est compliqué parce que vous n'avez pas de fichier qui regroupe à la fois le revenu fiscal, le parcours entre le travail. Est-ce que je prends ma voiture pour aller travailler? Alors, c'est sûr qu'en ruralité, chez moi, on prend la voiture pour aller travailler. On n'a pas de transport en commun. On a fait quand même depuis 2017. Et je me dis, c'est pour ça aussi qu'on veut réagir vite. Parce qu'on ne veut pas anéantir tous les efforts qu'on a fait depuis 2017. La suppression de la taxe d'habitation, la baisse des impôts pour les deux premières tranches, l'augmentation de la prime d'activité, le reste à charge zéro pour les lunettes ou les prothèses dentaires, enfin, l'allocation aussi vieillesse qu'on a augmentée, l'allocation adulte handicapé, je peux vous faire la liste quand même. Mais ce que je veux vous dire, c'est pour ça que c'est important de ne pas en fait anéantir tous les efforts qu'on a fait pour justement redonner des leçons, comme mes collègues députés socialistes dans l'hémicycle quand ils nous donnent des leçons sur un bilan, eux, où ils n'ont rien fait par rapport à tout ce que nous on a pu mettre en place au niveau social. Ah bah justement, il dit qu'il n'y a pas eu de réforme. Comparer les bilans sociaux de celui de Hollande et de celui de Macron. La baisse des indemnités chômage, c'est un plus social. On a fait bien plus que ceux qu'ils ont fait. Et quand ils nous donnent des leçons sur les hôpitaux, sur le manque de médecins, alors qu'il suffisait qu'en 2012 ils lèvent le numerus clausus, moi ça me fait quand même bien rire. Vous après François Hollande, les attaques sont très personnelles. Hein. Pardon ? Les attaques sont très personnelles. Oui, les attaques sont très personnelles. Il dit je veux dire la vérité aux Français. Mais quelle vérité, ça, vérité ? Pourquoi il détiendrait, lui, la vérité ? On a l'impression que c'est un règlement de compte. Dans quel but ? Quel est son objectif ?